Intelligence. Donc, je préviens déjà, j'ai déjà fait l'émission secondaire de la zone parce que je me suis dit que ça servait pas à grand chose de le faire en vidéo et j'avais bien raison parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. J'ai juste trouvé des armes violettes assez intéressantes, vous verrez lors de la mission. Donc, on va faire les trois missions secondaires, j'espère que vous m'entendez bien, même si je parle pas très fort. Car je dois. Il y a des personnes qui sont pas loin, j'espère. J'ai pas envie de les réveiller à cette heure-ci, les. Minuit pile. Et donc, on va faire une vidéo avec les trois missions principales, qui sera déjà bien assez longue. Et que ça m'a déjà pris 1 h 30 de faire les 10 missions secondaires de la zone. Et là, je suis niveau 29. Bientôt 30. Donc, on va sûrement passer 30 dans. Ben, c'est sûr, on va passer 30 dans cette vidéo. Je veux dire, dans cette mission. Et après ça, il nous restera 2 vidéos. On verra bien si je ferai l'émission secondaire dans les 2 autres vidéos ou pas. C'est un secret. Je ne pense pas. Oui, ça charge. D'après votre GPS, vous êtes tout près du centre de communication. Attention à ne pas vous faire repérer. Tiens, une personne a été déconnectée. Je regarde juste le nom d'XP que ça donne. J'imagine qu'il y a des techniciens qui se chargent de le faire fonctionner. 66 000. Il veut parler de leurs ingénieurs de combat. Ils sont rapides, bien entraînés. Et leur matériel est similaire. Ouais, je vais hop avec cette mission. Pour ce qui est de l'équipement, le LMB ne lésine pas sur les moyens. Allez, c'est parti. Donc j'espère que vous m'entendez bien là. Attention, un agent de votre équipe requiert votre aide immédiatement. Allez. En fait, ce jeu à filmer n'est pas très très intéressant. Car c'est un MMO après tout. Ah, c'est en haut, d'accord. Comment on monte? Ah, ici. On voit plus les dégâts que je fais. C'est bizarre. C'est pas grave. Plus d'immersion. C'est pas moi qui ai le lead, je peux pas le kick. Oups, c'est pas mon côté. Attention, un agent de votre équipe est blessé et requiert votre assistance.
Ok, est-ce que je vois, il fallait désactiver la tourelle comme ça. Why not? Oh, une porte. Ok. Et on y va. Hop, hop, hop. De l'autre côté, d'accord. Encore une, là. On va voir si le Last Man Battalion a l'air insolide. Les données ont été remplacées. Surchauffe du processeur. Désactivation des mécanismes de refroidissement. Ok. Les données du serveur ont été remplacées et le processeur détruit. Jouer avec ça dans mon équipe. Bon, vous êtes juste à côté de la cage d'armes. Une fois à l'intérieur, vous allez devoir tenir jusqu'à ce que je puisse envoyer du backup. Alors préparez-vous, parce que ça risque d'être carrément musclé. Oui, le LMB, c'est Last Man Battalion, d'accord. Élément hostile à l'approche. Bonne nouvelle, les renforts se dirigent vers votre position. Ils ont passé la première tourelle, ils vont bientôt être là. Ah, des medikits maintenant. Enfin, des kits plutôt.
vient d'arriver à la moitié du tunnel. Tenez bon, votre backup est sur le point d'atteindre votre position. Merci d'obéir en toutes circonstances au commandement du Lazarin Bataillon. Voilà. Bien joué. L'inventaire est en cours, mais les armes que vous avez récupérées devraient permettre à la JTF de tenir le coup un petit moment. Du super boulot, vraiment. Vous leur avez mis un grand coup de pied dans les bourses à ces connards du LMB. Continuez comme ça et on n'entendra plus parler d'eux. Yeah, niveau 30. Voilà, voilà, voilà. Avec vous, le Lazarin Bataillon va reconstruire Manhattan, maison après maison. Voilà qui est fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quitter la partie. On a trouvé une vidéo de Bliss lui-même, un genre de truc de propagande. Et apparemment, il aime s'entendre parler, ce connard. Tenez, regardez. Ah oui, flûte. Il y avait une, un truc à écouter, on l'écoutera juste après. Donc voilà, enfin niveau 30, ouais.
choses à faire là-bas, on ira plus tard. J'observe. Ouais, on ira plus tard là-bas. Il y a eu une attaque d'émeutiers contre le Madison Square. Une de nos priorités consiste à rétablir l'électricité. Et si on... Oups, voilà ce que je voulais faire. Les MB ont installé leur base à Grande Centrale et ils contrôlent toute la zone alentour. Les checkpoints sont bien gardés. Il y a des tourelles un peu partout. C'est une vraie forteresse. C'est une de leurs principales bases avancées. Ils utilisent les tunnels du métro pour y acheminer troupes et munitions. En passant par le métro, une petite équipe, enfin vous, vous devriez pouvoir vous introduire dans le périmètre et frapper de l'intérieur. Éliminer leurs tourelles avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Une fois que vous aurez fait ça, on pourra attaquer avec tout ce qui nous reste de combattants. Et si vous jouez bien votre coup, on pourra faire très mal au LMB. Voilà. C'est tout, on va vider notre inventaire, puis on repart pour la suite. Hey, de quoi t'as besoin? Y a un truc qui t'intéresse? On va faire des boulettes. Voilà. On a peut-être passé les 100 000, ouais. Reviens me voir si t'as encore besoin de t'équiper. Personne n'a mieux que moi. Personne. On se reverra. Moi je te crois, je te crois. Donc on repart en matchmaking. Les types du LMB ont installé leur base à Grande Centrale et ils contrôlent toute la zone alentour. Les checkpoints... Allez, voilà. Je comprends pas encore comment ça se fait que ma barre d'XP monte encore alors que je suis niveau 30. Peut-être un autre niveau après le niveau 30. Hein. C'est peut-être pas le max. Peut-être pas de max en fait, pas du tout. Ce serait bizarre, mais non. Vu que là, enfin, de toute façon, on verra bien en bout de cette mission. Normalement, on aura assez d'XP pour monter d'un niveau. Je vais quand même regarder combien d'XP ça me donne en plus. Ouais, je sais que dans la Dark Zone, niveau 30 c'est le max pour les récompenses qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il faut un grade dans la Dark Zone pour acheter du stuff. Et au grade max pour le stuff acheté c'est niveau 30. Et pour ouvrir certains coffres aussi. Du coup on verra, je vois. Son temps. Donc après s'il n'y a plus de mission principale, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire les secondaires en tout cas des deux zones au-dessus, mais hors vidéo, pas en vidéo malheureusement. Enfin malheureusement. Bon, ça me dérange pas, mais voilà quoi. Alerte, transmission radio interceptée. Dis donc, ici Viper 1, vous me recevez? 5 sur 5, allez-y. On a entendu des coups de feu qui venaient de la station du dessus. Et Viper 2 ne répond pas. Tenez bon, Viper 1. On va envoyer deux équipes. Voilà. Attention, un agent de votre équipe est blessé et requiert votre assistance. Oui, il a l'air de laguer comme un gros porc, lui.
Je pense que celle-là, on va la faire en solo. Donc, allez, ciao. Et on y retourne. Ah, je sais pas. Hein. Je vais voir. Mais solo, je devrais pas avoir de problème à la passer, je pense. Oh, on retourne ici à chaque fois. Hein. Les types du LMB ont installé leur base à Grande Centrale et ils contrôlent toute la zone alentour. Les checkpoints sont bien gardés. Il y a des tourelles un peu partout. C'est une vraie forteresse. C'est une de leurs principales bases avancées. Ils utilisent les tunnels du métro pour y acheminer troupes et munitions. Oui, je vous le regarde aussi. Par le métro, une petite équipe, enfin vous, vous devriez pouvoir vous introduire dans le périmètre et frapper de l'intérieur. Éliminer leurs tourelles avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Une fois que vous aurez fait ça, on pourra attaquer avec tout ce qui nous reste de combattants. Et si vous jouez bien votre coup, on pourra faire très mal au LMB. Ouais, on va le faire en solo. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Attention, vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Ouais, donc il a l'air d'avoir plus que niveau 30. Hein. Ouais, on devra avoir le temps de faire en moins de 40 minutes les deux prochaines missions. Après, j'aurai 5 heures de vidéo encodée. Du coup, ça va faire 10 heures. Agent, j'ai envoyé un de mes gars pour vous guider dans les tunnels et vous aider à franchir les défenses ennemies. Une fois à l'intérieur, neutralisez les tourelles et préparez le terrain. Le succès de l'assaut dépend de vous. Alerte, transmission radio interceptée. Titan, ici Viper 1, vous me recevez ? 5 sur 5, allez-y. On a entendu des coups de feu qui venaient de la station du dessus. Et Viper 2 ne répond pas. Tenez bon, Viper 1. On va envoyer deux équipes. Voilà. Attendez les ordres, sergent. Alerte, transmission radio interceptée. Titan, ici Viper 3. On a un contact hostile au dépôt de munitions sud. Je lance l'assaut. Sa vie, hein. Connexion à une transmission JTF. On est en train de se faire pilonner. Le LMB va... C'était quoi ça? À couvert, mettez-vous à... Agent, une conduite de gaz vient d'exploser dans la fusillade. Je t'en prête. Il faut trouver un moyen de neutraliser les tourelles. Si, moi. Thank you.
sommes gênés un coffre. Bon, c'est ça, ça. Plus que rien. Beaucoup trop de flouze. Légère surchauffe au niveau de la tourelle 3, mais tout a l'air ok. Ils en sont où au tunnel? L'incendie est sous contrôle. On pense que c'était une conduite de gaz. Des infos sur l'équipe d'assaut secondaire? On pense qu'ils se sont fait souffler par l'explosion, les squads Viper aussi. Est-ce que quelqu'un est rentré? Négatif. Riley est allé voir s'il reste quelqu'un. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques là? Aïe. Légère surchauffe au niveau de la tourelle 3, mais tout a l'air ok. Ils en sont où au tunnel? L'incendie est sous contrôle. On pense que c'était une conduite de gaz. Des infos sur l'équipe d'assaut secondaire? On pense qu'ils se sont fait souffler par l'explosion, les squads Viper aussi. Est-ce que quelqu'un est rentré? Négatif. Riley est allé voir s'il reste quelqu'un. On est pas pressé, tu sais. On va perdre un de nos hommes. Accès au système de contrôle de défense en cours. Succès. Désactivation des tourelles du périmètre. Vous avez réussi. Les défenses sont tombées. Rejoignez la force d'assaut et aidez-les à finir le travail. Alerte. Transmission radio interceptée. C'est à grande centrale. On est en train de se faire pilonner. Les tourelles marchent plus et on est en infériorité numérique. Demande de soutien immédiat. Tenez bon, soldats. Les renforts arrivent. Ok.
vas-y. Du Lastman Battalion patrouilleront désormais dans votre quartier. Merci de coopérer avec nous afin que nous puissions assurer votre protection. À tous les membres de la JTF, les renforts du LMB se dirigent vers vous. Trouvez une position défensive et préparez-vous à tenir. À tous les membres de la JTF, les renforts du LMB dirigent vers vous. Trouvez une position défensive et préparez-vous à tenir. La prochaine vie que vous sauverez pourrait être la vôtre. Attention, hostile en approche. À couvert et tenez bon. Ça sert à rien de prendre une position si vous pouvez pas la. Mais non, mais c'est pas possible. Bon, je sais que je suis une chips, mais quand même. À tous les membres de la JTF, les renforts du LMB se dirigent vers vous. Trouvez une position défensive et préparez-vous à tenir. Attention, hostile en approche. À couvert et tenez bon. Ça sert à rien de prendre une position si vous pouvez pas la tenir. C'est compris ? Escouade Alpha ! Descendez de cette putain de passerelle et rejoignez les plateformes. Ce quartier est désormais sous la protection du Lastman Battalion. Je répète, vous êtes désormais sous la protection du Lastman Battalion. Repliez-vous! Je répète, repliez-vous! On laisse tomber pour ce coup-ci! À tous les effectifs du LMB de Grande Centrale, rendez-vous au checkpoint Hector Alpha! Alors. Grande Centrale, allez-y! Capitaine, ils battent en retraite! On a réussi! Qu'est-ce que je donnerais pas pour voir la réaction de Bliss? Super boulot, tout le monde! Je suis sacrément fier de vous! C'est quoi comme arme ça? Un fusil d'assaut. Ouais non, j'ai toujours mieux. Voilà qui est fait. Alors maintenant. Je vais essayer d'être bref et clair.
mission. Là-bas. Allez. Ça sera la dernière mission pour cette vidéo. On y fera, on retournera à la base d'opération pour valider tout ce qu'on a trouvé. Tiens. C'est moi ça. On vient de récupérer une vidéo qui montre le mode opératoire de ces ordures du LMB. C'est pas beau à voir, surtout que je connaissais certaines des victimes. Mais vaut mieux qu'on sache à quoi s'attendre. Attendant que ça puisse se décider, je vais directement à la mission en pied, je pense. Pardon. Je crois qu'on tient quelque chose. Vitaly Chernenko, un immunologiste. Ouais, ici. On va plutôt se diriger là. Passer par là pour aller valider, enfin pour aller chercher la planque. Puis après, on ira à la mission. Ça, c'est des ennemis là devant. Contient quelque chose. Vitaly Chernenko, un immunologiste. Il s'est réfugié au consulat de Russie et il veut qu'on aille le chercher. Je savais pas qu'il était à New York. Est-ce qu'il peut nous être utile, docteur? Bon, c'est toujours matchmaking encore, mais rien du tout, quoi. Vous me sauvez la vie, vraiment. Voilà. Voilà qui fait. J'étais pas resté appuyé trop longtemps sur si longtemps sur Tab, c'est pour ça. Allez. D'ailleurs, j'ai pas fait mon XP, faut que je regarde. Je check après. Peut-être qu'en rentrant là-bas, j'aurai du loot jaune. Acheter, bien sûr. Bon. En tout cas, ça prend son temps. J'espère que vous m'entendez bien, quand même. Que ça vous dérange pas que je parle si bas. Normalement, vous devriez m'entendre comme d'habitude. Enfin, pratiquement. Par contre, je suis très en lésie.
est-ce qu'ils sont? Coucou Jesse. Mais il y en a un album, c'est une blague. Si. C'est moi qui lag en fait. Attention, hostile en approche. Moi je dois laquer. Pas grave. Agent, je ne suis pas certaine de ce que vous devez chercher, mais... J'imagine que Tchernenko a continué à travailler. Ouais, ça va faire une heure de vidéo rien qu'avec ces deux missions déjà. Essayez de trouver enfin, trois missions, des notes, des journaux, ce genre de choses. Sinon, j'aurais eu 2h30 de vidéo. J'aurais pas voulu, désolé. Non. C'est un vrai truc d'espion, mon truc. Moi, je fais pas confiance au truc qu'on fait. Et vite, on peut. Votre shade indique une quantité de matériel impressionnante. À quoi peut bien leur servir une puissance de calcul pareille? En temps normal, sans doute à de l'espionnage. Maintenant, Tchernenko peut utiliser tous ses processeurs pour réaliser des modèles analytiques du virus. Accès au réseau.
Ça y est, les données arrivent. Qu'est-ce que c'est que ça, docteur? On dirait des fichiers RNA. Ils sont mappés. Les données relatives au génome sur lesquels Chernenko travaillait. Agent, il nous faut ces données. Toutes. Attention, contre-mesure détectée. Établissement. Attention, privilège réseau retiré. Qu'est-ce qui se passe? Agent, vous avez arrêté le transfert? On a été piraté. Il n'y a que la technologie Shade qui soit capable de faire ça. Il y a quelqu'un à côté de vous, agent, qui utilise le même matériel que vous. Vous devez récupérer ce matériel et les données de Chernenko par tous les moyens. Mais il m'a poussé quoi, j'y crois pas. Évaluation du système de sécurité. Évaluation terminée. Protocole de sécurité désactivé. Déverrouillage des portes de sécurité. Allez, allez, courage. Quelque chose en haut. Avertissement. Transmission interceptée. Coyote 1, ici Hornet, vous me recevez? Hornet, ici Coyote 1, je vous reçois. J'ai reçu une alerte système, je suis en route. Non, ça sert à rien. Le Russe s'est enfermé dans une panic room, mais il tiendra plus longtemps. On a de la JTF sur place, mais ça non plus, c'est pas un problème. C'est pas la JTF. J'arrive, Hornet, terminé. Ah, flûte. Il y a un membre de la division à tuer.
peut m'entendre là. Vitaly ? Vitaly, je suis le docteur Jessica Kendall de New York. Nous avons discuté à Innsbruck après votre conférence. Je vous connais et je pense que vous connaissez mes travaux. Docteur Kendall, c'est vous qui avez mes notes ? Elles sont en sécurité ? Tout va bien, Vitaly. On est là pour vous aider. Vous voulez bien ouvrir la porte ? D'accord. D'accord, je... Vitaly ! Qu'est-ce qui se passe ? C'était une charge explosive. Faites vite, agent. Accès au système de sécurité. Accès autorisé. Attention, transmission acceptée. Ici Hornet. Boss, on tient Tchernenko et j'ai pris ses notes sur le serveur avant que la JTF puisse y accéder. On est prêt pour l'extraction. Parfait. Et nos amis ? Ils sont tout prêts. Permission d'attaquer ? Accordé. On va voir ce que vaut la deuxième vague. J'ai une arme là, il faut que je regarde. Et putain, mais. Ah, c'est une mitrailleuse lourde, non, ça, là, ça m'intéresse pas, pardon. Attention, un agent de votre équipe requiert votre aide immédiatement. SHD détecté. Synchronisation en cours. Accès à la base de données. Établissement de la liaison montante. Je suis en train de recevoir les fichiers piratés par cet agent. Leur analyse va prendre du temps, mais il y a quelque chose. Quelque chose de pas clair. Beau travail. Pas si beau que ça. On s'est quand même fait piquer Tchernenko sous le nez. J'ai récupéré ses notes, j'ai plus besoin de lui. En tout cas pour le moment. Oh, il faut tout ce qu'il y a là-dedans. Et voilà. Bah ben, ouais, c'est que niveau 30 max pour le moment. Et bah ben, voilà. Petit Dagger, à vous. Je vous reçois Dagger, allez-y. Ça c'est fait. On va faire la sortie. Un agent vient de quitter votre équipe. Centrale, puis ensuite on s'arrêtera là pour cette vidéo qui fait déjà une heure, un peu plus d'une heure même. Comme ça, au moins vous aurez l'émission principale.
les ailes. Bon, ça, je le ferai en vidéo. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Quand on améliore toutes les ailes, on débloque une compétence maître pour chacune des compétences. Des capacités, plutôt. Du coup, c'est tout. La compétence maître, c'est une compétence passive. Cette fois, c'est le jackpot, agent. On a trouvé une vidéo de Bliss lui-même. Un genre de truc de propagande. Et apparemment, il aime s'entendre parler, ce connard. Tenez, regardez. Cette fois-ci, c'est la bonne. L'ultime bastion du LMB, c'est le dernier endroit où on s'attendrait à trouver ces fils de pute. Le siège des Nations Unies. Et vu que personne ne va passer une résolution pour les faire sortir, ça va être à nous de jouer. On a piraté leur communication, et le périmètre est sous surveillance. Il n'y a aucun doute, c'est là que Bliss veut livrer son dernier combat. Par ailleurs, il y a de fortes chances qu'ils détiennent encore Tchernenko, le scientifique russe qu'ils ont capturé au consulat. Si on descend Bliss, on coupe la tête du serpent. Et une fois qu'on aura pris le contrôle de la zone, ils auront plus nulle part où aller. Les troupes du capitaine Benitez vont lancer l'assaut contre une position stratégique du LMB. Ça devrait les distraire le temps que vous vous introduisiez dans le périmètre et que vous désactiviez leur tourelle depuis l'intérieur. Quand ce sera fait, on lancera l'assaut final et Bliss sera foutu. Mais encore une fois, tout dépend de vous. Ouais, tout dépend de moi. Du coup, là, j'ai pris une belle arme bien forte. 66 000 de DPS, nice. Not bad. Tu cherches quelque chose, je l'ai. Impatient d'essayer tout ça, non ? Oui, très impatient. Il faut quoi ? Dis-moi tout. Ok. Donc ouais, dans la prochaine vidéo, nous allons faire celle-là. Mais là, on va d'abord aller ici. On a bien avancé quand même, hein. Je pense que je m'arrêterai là pour aujourd'hui pour filmer quoi. J'enchaîne depuis 3 heures. Là il est l'heure du matin. Du coup après ça, ouais. Je vais me reposer puis on reprend demain. Je parle un peu de ma vie et tout. Hashtag my life. C'est chaud qui est bien. Là, je me pose une question. Ici Dagger, à vous. Et après ça, on aura. Après avoir fait la mission, on aura un schéma, nice. Qu'est-ce que je fais? Quel monde, c'est par là. C'est quoi la nouvelle preuve? C'est confirmé, le poison vert ne s'est pas développé naturellement. Il a été codé. En fait, Amherst s'est servi des recherches de Tchernenko sur la modification du génome d'un virus en milieu virtuel. Il a amélioré le processus et introduit le résultat dans un réplicateur de protéines. Au final, il a obtenu un virus mortellement efficace qu'il pouvait encore modifier pour en maximiser les effets. Ce qui veut dire en gros,
plus de morts. Ok. Allez, on va améliorer tout ça, Max. Même si je crois pas que j'ai assez encore. Ouais, non, j'aurais pas assez. C'est pas grave. Les Rikers se sont battus comme des furieux à la fin. Là, j'ai assez, mais pas pour l'autre. Tout a l'air de fonctionner parfaitement. Merci de votre aide. Parfait. On va enfin pouvoir sécuriser le périmètre. Parfait. Grâce à vous, nous allons maintenant pouvoir réparer et recycler nos armes. Allez, approche un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je comprends, on se verra plus tard. Ok, donc ça c'est fait. Pièce d'arme. Ce centre tactique va nous aider à organiser les sauvetages et autres opérations dans la Dark Zone. Beau travail, agent. Ok, ok. Et là, si tu changes d'avis. Le voir pour le croire. Allez, le meilleur choix de Manhattan. Boum. Le prix. Avec 483 000. Oh, insane. Pas très grave. À bientôt. Ah, un stand de tir. Parfait. Nos nouvelles recrues vont pouvoir être opérationnelles plus rapidement. Il y avait vu qu'il y avait quelque chose à ramasser ici, mais où? Je sais pas. Hey, tu veux acheter un truc? Qu'est-ce que tu veux voir? Ah, tu sais, entre... On se voit plus tard. Je t'en veux pas. Ah oui, c'est vrai, faut que je leur parle. Je veux porter un toast. Ouais, non, j'ai pas assez. Il me manque. Il me manque un peu. Ça mettrait l'alarme à l'œil à n'importe qui. Ah, crash du jeu. Et me revoici, désolé, le jeu avait crash. Du coup, j'ai avancé bon, pour 2 minutes, mais. Il fallait. Vous avez vu, j'ai changé d'équipement là, en bout de trop de temps. Enfin, d'apparence. J'en changerai sûrement dans la prochaine vidéo. Hein. Donc, parlons à Jessica Candle. Sans trop vouloir m'avancer, je crois que cette fois, nous tenons quelque chose. Grâce à vous, on a pu retracer la dérive génétique du poison vert. Et en plus, j'ai réussi à identifier tous les différents types d'ADN qu'Amherst lui a ajoutés. Et avec les échantillons que vous avez récupérés sur les survivants, j'ai rassemblé des anticorps très efficaces contre notre supervirus. Et j'ai ébauché une feuille de route pour élaborer un vaccin. Tenez, jetez un coup d'œil à ça. En temps normal, j'aurais dirigé l'équipe de développement... Mais ils sont mieux équipés que moi pour le faire à Ann Arbor. Et moi... Eh ben, je suis coincée ici avec vous. Mais ça me va. Parce que c'est pas le boulot qui manque ici. Et comme Amherst et peut-être aussi Tchernenko sont dans la nature, il suffirait qu'un psychopathe pose les bonnes questions pour que... Dites-moi que ça n'arrivera pas. S'il vous plaît. Docteur Kendall, vous êtes attendu en salle de réveil. Docteur Kendall. Ça y est, le devoir m'appelle. Agent. On ne pourra pas survivre à tout ça deux fois. Alors je vous en prie. Et voilà. Maintenant, allons voir le Roy Benitez. What? Ah, regardez qui est là. Eh hey, voilà notre héros. Quand on vous a demandé de faire ça, je croyais pas que c'était possible de réussir. Les hommes que vous avez libérés, j'ai pu les affecter là où ils seront le plus utiles. Pas si mal pour des fédéraux, hein? Ben, j'avoue que j'ai vu pire. Regardez ça. Tous les groupes criminels auxquels on est confrontés sont en fuite.
Ils sont pas tous partis, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et ça se voit. Les habitants se sentent assez en sécurité pour sortir à nouveau de chez eux. La JTF a pu aider le CERA à remonter leur tente, et les gens se remettent à faire la queue pour venir chercher de la nourriture et de quoi se soigner. Il est clair que les choses commencent à changer. Hier, j'ai croisé un type qui tenait une épicerie dans mon quartier, dans le Queens. Il a dit qu'il pensait bientôt rouvrir son commerce. En faisant un petit effort, je trouve qu'on se croirait presque à New York. C'est pas mal, non? Bon, allez, si on arrêtait un peu de se lancer des fleurs. Le LMB continue à me donner du fil à retordre. J'ai encore du travail. Et vous aussi, agent. Allons-y. Hé. Hey. Vous, vous êtes fortiche. Je sais. Gardez la tête froide. Donc. Ok. Et ben voilà, nous allons arrêter pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, abonnez à la chaîne. C'était tout, c'était le prochain type à acheter. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.